Bonjour et tout, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc voilà, je suis là encore pour une nouvelle vidéo ici dans le Tchatcholand. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un commentaire, les amis. Je vous dis merci. À tous nos frères et sœurs ici dans le Tchatcholand, soyez les bienvenus. Ici, c'est le Tchatcholand chez Inès. Moi, ici, je bleach. Moi, ici, je tcha. Je fais le jansan. Je fais le choco. You know that, right? Yeah. So, aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo. Toujours dans le choco. Toujours dans le Tchatcholand. Mais avant tout, j'aimerais continuer à dire Yako. Parce que nous sommes en deux. Le monde pleure. Il n'y a que seulement la Côte d'Ivoire, il n'y a que l'Afrique. Il n'y a rien d'autre à faire. Comme j'ai dit la fois passée, chacun de nous en a fait. Il n'y a personne pour consoler l'autre. Chacun de nous souffre à sa façon. Donc vraiment, je souhaite encore mes condoléances à la chaîne populaire, à la communauté ivoirienne, à l'Afrique, Yako seulement. On est ensemble, ok? Donc voilà les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui dans le Tchatcholand. Maman, si tu n'es pas du Tchatcholand, si ce que moi je fais ici, ce n'est pas ton histoire, la porte est à droite. You know that, right? Thank you. Si tu es une maman pasteur, t'inquiète. Ma tête de cochon là, ce n'est pas toi qui vas changer ça. Je veux juste te bloquer puis supprimer ton commentaire. Ok, j'ai pas besoin d'évangile, je connais. Ça commence par Genesis, puis ça finit sur je sais pas quoi, Apocalypse, whatever, you know. So. Donc, il y a une amie qui m'a écrit en privé pour me demander, pour me dire, ah maman Inès, vraiment, à chaque fois je regarde dans les groupes ou bien ailleurs, on parle toujours de gel douche, que ça éclaircit, que ça peut te donner deux teintes, bra bra bra, tout le wororo là qu'on entend dehors, non. Donc vraiment, moi, je voulais juste avoir ton avis. Comment je vais faire pour que mon gel douche marche? Parce que vraiment, j'ai acheté un gel douche là. Ça ne m'éclaircit pas comme je veux. C'est vrai, ça travaille, mais je ne vois vraiment pas ce que je voulais. Je lui ai dit, ok ma chérie, calme-toi. Donc toi, va seulement t'inscrire dans le Tchatcholand. Voilà. Va t'inscrire là-bas dans le Tchatcholand. Mets ton nom, ok? Ça s'appelle « Subscribe ». Yes, on pèse sur le bouton rouge, ma chérie, puis assois-toi, nous allons parler des vraies affaires. Parce que ici, moi, je dis, hein, moi, je ne me cache pas, oh, c'est le lait de bébé qui m'a donné ça. C'est faux, maman. Lait de bébé, c'est pour bébé. Une vieille racaille comme moi, là, je vais aller mettre ça où? Pardon. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment speeder ton gel douche. Parce que les gels douches, selon moi, j'entends beaucoup, mais moi j'utilise beaucoup de gels douche. J'ai utilisé les Carolite, les Fair & White, les Perfect White. Je les utilise. Mais je ne trouve pas la même efficacité que les savons. Si j'ai un savon de Kojic Acid, de Kojic Sun, avec un gel douche, je trouve toujours une différence. Parfois je les mélange pour que ça puisse bien marcher. Mais bon, ça c'est autre chose, une autre vidéo, ok? Mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez booster votre gel douche. Moi, j'ai ici Perfect White. Perfect White, les amis, vous le connaissez très bien. Il y a beaucoup de controverses sur la compagnie Perfect White. Parce que Perfect White détruit. Non, mais ça là, c'est une destruction massive du corps humain. Voilà, c'est ça même. Ça, la compagnie, la crème. Perfect White, c'est une destruction massive du corps humain. Ce qui veut dire, maman Vierge, tu vas répondre présente sur ton corps. Ok? Rougeur va répondre présente sur ton corps. Tache, je ne sais pas comment. Ils vont tous répondre présente. Ça, c'est la crème. Que ce soit la pommade qui est en pot et la lotion en bouteille, maman, si tu as des oreilles pour écouter, je dis ne touche pas ça. Par contre, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Les gens disent qu'ils ont aussi des problèmes avec le gel douche. Moi, oh oh, non, ça là même, c'est bon pour moi. Ok? Raison pour laquelle j'ai dit,
gel douche, savon, sérum, moi je prends ça, lac. Ok? Comme des petits pains, ça ne me fait rien, ça fait pas de dégâts sur mon corps. You know, lac, I can handle it. I don't have any problem with that. It's okay for me. So, perfect white, les amis, perfect white. Comment je fais pour que mon perfect white marche? Parce que moi aussi, quand je l'avais acheté en premier temps, ça c'est ma deuxième bouteille, je vous avais fait une vidéo sur ça déjà. Quand je l'avais acheté pour la première fois, j'ai essayé ça. Une journée, matin, soir. Deux jours, matin, soir. Vous connaissez comment j'utilise le savon. Le soir, là, je m'assois dans ma baignoire, je pars sur Facebook. Maman, 20 minutes est passée. Je rince, c'est bon. Une semaine passe, j'ai dit, mais lui là, on dirait qu'il roule à 20 km. Mais moi, j'aime le speed. Non? Alors, je me suis dit, on va te faire marcher, mon frère, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, son sérum. J'ai pas de problème avec ça. J'utilise le sérum sur mon corps ou bien avec d'autres compositions. Je n'ai aucun problème avec le sérum, moi. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça ici. J'ai pris un pot. Hein, tu prends un petit pot qui peut contenir au moins 200 ml. Quand vous faites les mélanges, n'utilisez, ne faites pas les mélanges dans l'original, dans le packaging original. Transvasez toujours dans un petit récipient à côté, puis vous faites de vos abracadabras là-bas. Et puis petit à petit, faites pour une semaine. Tu fais pour une semaine, tu refais. Mais ne mélangez pas dans le packaging ici, là, dans la grosse bouteille. Okay? Donc tu prends ça, tu mets dans un pot à côté 200 ml. Sors au moins 200 ml parce que ça là, ça c'est un tonneau, ça c'est un litre, maman, tonneau même. Ça c'est un litre, donc tu sors ça, 200 ml, tu mets à côté dans un petit pot et puis tu prends deux comme ça. Dans 200 ml de ton gel douche, tu mets ça, deux, c'est ça j'ai dit. Tu prends deux comme ça ma chérie, tu mets dans 200 ml de ton gel douche Perfect White ou n'importe quel gel douche que tu as. Si c'est Fair and White et que tu as un sérum, que ce soit le sérum de Fair and White ou pas, tu peux prendre, tu mélanges ça, mais petit. Tu vas pas prendre deux affaires mini bagailles comme ça là pour aller mettre dans un litre là. Ça va être comme si tu avais jeté une orange dans l'océan, tu vois, non? Donc on fait pas ça. J'ai dit tu prends ça, tu mets 200 ml de ça dans un pot à côté. Tu mets 200 ml. Et après, tu prends deux comme ça là, deux sérums. Tu les mets là-dedans, dans ton gel douche. Tu mélanges. Ok? Tu mélanges ça. Ma chérie, moi quand je vous dis, vous allez dire mon nom. Il faut revenir ici toujours pour témoigner. Parce que vous là, vous ne revenez pas pour dire oui, mais ça a marché. Le feedback là, c'est toujours bon. Ok, donc revenez. Donc tu vas me mettre dans 200 ml de ton gel douche, deux sérums. Moi ici je parle de Perfect White parce que c'est Perfect White que j'ai. Donc si toi tu as un gel douche de White, Clear and White ou I don't know, Fair and White, prends deux sérums de Fair and White, mets dans 200 ml. 200 seulement, pas beaucoup. Si tu mets dans toute cette marmaille là, ça marchera pas. Ok? Donc tu dois doser un peu à côté. Puis tu prends le sérum, deux sérums, tu mets ça dedans. Maman, quand tu vas aller dans la douche, le matin tu es parti au travail, tu touches pas. Ça, c'est pas des affaires pour perdre. Ça là, tu ne fais pas ça pour aller au travail le matin. Non, ça là, c'est pas comme ça. Sinon, you just gonna waste your money. Ok? C'est pas comme ça, ça coûte cher. Il faut savoir utiliser les produits pour avoir des bons résultats. Ok, c'est pas pour jeter. Le gel douche, ça s'évacue rapidement. C'est ça que j'aime pas avec les gels douche. Moi, je les utilise souvent le matin. C'est très mousseux, alors je les utilise pour partir. J'aime bien ça. Je prends pas de temps le matin, j'ai pas le temps. Il y a le trafic, donc je dois faire vite, vite. Alors j'utilise souvent les gels douche. So, c'est quand tu es rentré du travail le soir. Tu viens chez toi à la maison, la nuit, avant d'aller dormir, tu prends ta composition de savon que tu as fait, tes abracadabras, là, tu les prends. Tu mouilles ton corps. Même scénario, le savon là, faut savoir l'utiliser pour avoir des bons résultats. C'est aussi simple que ça.
toute chose que tu ne sais pas utiliser, tu n'auras pas de bons résultats. Ok, les amis, moi je ne vends pas où. Venez pas dire, maman, moi je ne vends pas. Tout est là-bas dehors. Ok, achetez seulement. Moi, je veux juste vous dire quoi faire avec. Ok, donc, dans ton abracadabra là que tu as fait à côté, tu vas prendre ça, tu vas mouiller ton corps, tu mets un peu, c'est un gel douche. Ça veut dire que ça prend seulement un peu. Tu prends un peu, tu passes ça sur tout ton corps. Tu mousses ton corps avec. Tu mousses ton corps. Maman, tu t'assois dans la baignoire, tu prends ton téléphone, puis tu vas chez congosa.com. Tu prends ton téléphone, puis tu vas chez congosa.com. Va faire le congosa. Va rentrer dans ta groupe là, où vous faites des commentaires négatifs là. Va faire ton mauvais congosa. Tu vas voir que 20 minutes va passer bien rapide. Même toi-même, tu peux même passer 30 minutes là, tellement le congosa là est doux. De toute façon, vous faites commentaire là. Maman, lui la main, il faut lui couper la tête. Lui la main, il faut lui... Vous aimez trop ça. Donc maman, pendant que tu es en train de faire congosa là, ton savon, il est en train de pénétrer dans tes pores. Il pénètre, il fait son travail. Quand tu as fini ton congosa, dépose ton téléphone. Prends ton photo, si c'est le sac de riz que tu avais coupé. C'est bon, hein? Ça aide, ça exfolie bien le sac de riz. Hein? Jouez pas avec ça. Non, maman, tu prends ça. Tu n'ouvres pas le robinet pour mettre l'eau sur ton corps. Non, on ne fait pas ça. Je dis ça ici chaque jour. Tu vas juste mouiller ton foutoir là, ton sac de riz là, mouille-le. Tu le mouilles, puis tu viens frotter maintenant ton corps. Voilà, scrub. C'est ça les anglophones, ils disent. Scrub your body. Tu vas bien nettoyer. Tu vas frotter ton corps, ton pied. Tu insistes sur les mains, tu insistes sur les pieds, tu insistes partout. Les genoux, derrière les fesses ici, là, où on s'assoit là. Ça là aussi, les zones ici aussi, ça refuse d'obéir. Non, mais vraiment, le corps humain aussi, il a ses endroits têtus, mais bon. On connaît. On les gère bien dans les Tchatcholandes. Vous voyez, non, mes amis. Donc, c'est ça. Vous allez bien frotter. Bien frotter. Quand tu as fini de bien frotter, prends ton temps. Tu as fait au moins 15 minutes avec le savon sur ton corps. 5 minutes de bien frotter là. Pour ouvrir les pores, pour enlever la peau morte. Tu enlèves tout ça là. Quand tu as fini, maman, tu vas rincer. Rince. Après le rinçage, tu sors de la douche, tu essuies et tu mets ta crème. La crème que tu as l'habitude d'utiliser. Tu l'appliques maintenant sur toi. Tu fais ça chaque nuit. Fais ça chaque nuit, non, maman? Fais ça chaque nuit. Le matin, si tu n'as rien à faire ou si tu es à la maison, il n'y a pas de problème. Tente encore. Si tu le fais matin et soir et que tu... Quand tu n'es pas pressé. Parce que si tu es pressé, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas si tu es pressé. Donc, il faut que tu aies le temps. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que tu ailles d'abord chez congosa.com. Le temps que tu reviennes, tu as déjà oublié ton savon. Tu vois, non? Donc, c'est ça. Puis, tu vas bien laver partout. Tu rinces, tu appliques ta crème, tu vas dormir. Maman, si tu as le temps de faire ça matin, soir, c'est bon même. Ça même là, c'est bon. Mais si tu peux seulement faire ça une fois par jour, si tu es pressé le matin, toi, c'est seulement le soir que tu peux bien prendre soin de ton corps. C'est bon. OK? Ça va marcher. Moi, j'ai dit dans le Tchatcholand que ça va marcher. Le Dieu du Tcha, là, au nom du Dieu du Tcha, ça va marcher. Tu vas voir des résultats. Et tu vas venir me dire, Inès, non, mais c'est bon. Il faut booster les gels douches. Si vous ne les boostez pas, vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez. Puis, il faut savoir les booster et puis, il faut savoir les utiliser. C'est en fait ça le problème. Parce que beaucoup, parfois, ils prennent un petit mini comme ça, là, ils drop ça dans un litre. Puis, ça ne va rien faire. Quand on veut cirer le teint, là, il faut bien cirer. OK, les amis? Donc, vraiment, moi, c'est ça que j'avais comme vidéo aujourd'hui. Si tu as besoin de speeder comme moi, donc voilà le truc. Moi, je montre les trucs, les amis. Si tu veux essayer, vas-y. Si tu trouves que, ah non, moi le gel douche juste comme ça, là, ça me va, j'ai des bons résultats. That's alright. OK? Continue comme ça et tu vas avoir tes résultats aussi. C'est bien comme ça. Continue seulement. Mais si tu veux booster, vas-y alors, comme ce que je viens de dire. Ça va beaucoup t'aider, mon ami. OK? Donc voilà.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Quand vous allez vous abonner, n'oubliez pas à côté, il y a une cloche. Pèse sur la cloche, comme ça tu ne manqueras pas mes vidéos quand je vais publier et tu ne manqueras pas mes lives. Yeah, parce que maintenant là, on va live presque chaque semaine. Ok, donc vraiment, si tu ne veux pas manquer mon live, si tu ne veux pas manquer mes vidéos, pèse sur la cloche à côté. Comme ça, tu vas toujours bénéficier de mes abracadabras. Et ça marche. Moi, je sais que si ça marche sur moi, c'est que ça peut aussi marcher sur toi à côté. Je sais qu'on est différent. Ça peut ne pas marcher. C'est toujours ça. Mais si un produit dont je parle ici, ça ne marche pas, peut-être le deuxième, le troisième produit, celui-là, il va être bon pour toi. Ok? Donc, c'est toujours comme ça. Toujours dans le sens du partage. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et moi, je vous aime beaucoup. Encore Yako, au monde entier. Rui par notre frère Djarafat. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.